Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, les symptômes de l'ascension. Nous sommes nombreux à expérimenter présentement ce que l'on appelle les symptômes de l'ascension. Beaucoup d'entre nous ont en effet vécu le réveil spirituel plus ou moins récemment, principalement depuis décembre 2012, date qui a marqué la fin de l'ancien paradigme au niveau cosmique, puisque la grille d'enfermement des âmes, mise en place par certaines factions extraterrestres souhaitant maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa réelle nature cosmique et multidimensionnelle, a pu être levé grâce au travail de tous ceux qui ont œuvré sur Terre et dans le cosmos pour que cela puisse enfin se produire. Cette phase de fin du monde annoncée par de nombreuses anciennes civilisations et grandes prophéties est la phase que nous sommes actuellement en train de vivre présentement sur Terre. C'est la fin de l'ancien monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Et même si ce changement n'est pas encore visible de manière flagrante et sur tous les continents de la planète, la libération de l'humanité par la conscience prend chaque jour un peu plus de terrain. En effet, jusqu'à présent, les humains étaient coincés dans une conscience s'étalant uniquement sur trois dimensions, les trois premiers chakras, ce qui les empêchait de percevoir la réalité au-delà de leurs cinq sens physiques. « Je ne crois que ce que je vois » étaient et sont encore les pensées et paroles de la majorité des humains qui sont encore emprisonnés dans le spectre limité de la troisième dimension. L'éveil spirituel, à l'inverse de ce qui est souvent promu dans les discours New Age, ne contribuant pas à rendre matures spirituellement les individus, ni conscients de la réelle difficulté et nature du véritable éveil, n'est pas cet état de béatitude, où l'on réalise simplement que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes tous un, et qu'il faut être au-delà de la dualité. Rejetant ainsi soudainement tout ce qui s'apparente au négatif, à toute forme de prise de position, et devenant dans le déni de ce qu'il se passe réellement sur Terre et dans le cosmos, emprisonné alors dans de nouvelles croyances implantées. Ces concepts qui partent de vérité sont incomplets. Beaucoup de distorsions dans les enseignements spirituels ont été inséminées volontairement sur Terre via différents moyens et canaux, afin de rendre un maximum d'humains et de travailleurs de lumière dans l'inaction, la confusion et la désinformation. Une fois cette phase de réveil collectif de l'humanité enclenchée, et afin de les empêcher non seulement d'accéder à leur réelle ascension et donc libération, mais également d'empêcher l'accomplissement des missions respectives des âmes venues sur Terre pour assister dans ce processus de libération par la conscience. Sans contexte pour expliquer ce que nous vivons en cette période, lors de notre éveil spirituel et phase d'ascension, nous pouvons nous sentir isolés, seuls, perdus, voire dans un état de dépression. Beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément de personnes dans leur entourage à qui parler de tout cela et se sentent très seuls. Ils peuvent être dans une terrible souffrance intérieure. Ils peuvent alors penser qu'ils ont un problème. En arrivant dans les communautés spirituelles, où beaucoup ne souhaitent plus parler que de joie, semblent être heureux et soudainement insensibles à la souffrance des autres et du monde, prononçant des paroles telles que « c'est leur karma » ou « il leur arrive cela parce qu'ils n'ont pas une vibration élevée ». Au fond de nous, ces discours ne nous semblent pas justes, et nous pensons que c'est peut-être ainsi être spirituel. Plus se mettre en colère, ne plus être touché par la souffrance des autres, surtout s'ils sont loin géographiquement, développer une apparence spirituelle, adopter un discours sonnant spirituel. Mais étrangement, à l'intérieur, nous ressentons toujours ce vide et cette incompréhension du pourquoi. Pourquoi l'humanité en est-elle rendue ainsi? Cela n'a pas de sens. Toutes ces abominations, pourquoi, pensons-nous?
Pourquoi ai-je toujours ce sentiment d'avoir quelque chose à faire pour le monde? D'avoir cette mission que je n'arrive pas à expliquer? Pourquoi suis-je touchée par la souffrance d'autrui? Pourquoi est-ce que je ressens toutes ces choses intérieurement lorsque je pense à toutes les manipulations mondiales, aux mensonges perpétués sur cette planète, à la pédophilie, à l'esclavagisme sexuel, au massacre des animaux, à la déconnexion des humains par la technologie, aux guerres et à l'endoctrinement éducatif, sociétal et religieux? Qu'est-ce que mon âme est-elle en train de me dire? Pourquoi suis-je attirée par les sujets traitant de la présence extraterrestre? Et pourquoi, lorsque je lis certaines choses, je ressens en moi cet appel vers la recherche de la vérité? Et j'ai ce sentiment que je ne dois pas m'arrêter à ces enseignements anciens qui ne sont plus suffisants pour notre compréhension de ce qu'il se passe réellement aujourd'hui sur Terre, en cette phase de divulgation cosmique et d'éveil progressif à l'existence des autres civilisations peuplant notre Terre, nos autres dimensions, les autres planètes et univers. Aujourd'hui, il est demandé à l'humain de sortir de tous les dogmes, croyances et programmations, afin de redevenir réellement un être souverain. L'ouverture de conscience sur la réalité de la présence extraterrestre est un réveil encore plus douloureux que les phases initiales de l'éveil spirituel, où nous nous éveillons au concept agréable d'amour inconditionnel, d'unité et d'avènement de ce nouveau paradigme, où la souffrance et la noirceur disparaîtraient, comme par magie. Nous savons bien que ce processus ne se fera pas en un jour, et que nous devrons passer par des phases de noirceur peut-être encore plus denses, avant que la lumière prenne réellement place. Mais nous pouvons constater la vitesse à laquelle la conscience et la vérité s'infusent sur la planète, chaque jour un peu plus. Les âmes s'étant portées volontaires pour venir assister pendant cette phase cruciale de libération d'un maximum d'humains en leur enseignant les voies de l'ascension et les lois universelles, se réactivant elles aussi chaque jour un peu plus grâce au travail de leurs frères et sœurs cosmiques ayant pavé et pavant le terrain en préparation de cette phase finale que nous vivons aujourd'hui. En effet, ceux qui sont sur le chemin de l'ascension connaîtront dans une même incarnation l'enfermement dans une conscience 3D et le réveil à leur réelle nature cosmique. Nous connaîtrons l'humanité avant et après cette libération cosmique des forces qui l'ont asservie depuis son commencement. Avant et après la divulgation cosmique à l'humanité, qu'elle n'est pas seule dans l'univers et qu'elle cohabite avec une multitude d'autres races extraterrestres, extradimensionnelles, et interdimensionnelle. Bien évidemment, cette divulgation ne se fera pas ni dans la douceur, ni dans la transparence et dans l'absence de désinformation et de manipulation, raison pour laquelle nombreux se sont incarnés pour enseigner, guider et répandre la vérité sur la situation cosmique, afin que les humains puissent avoir des informations alternatives à celles qui leur seront présentées par leurs bourreaux. Lorsque nous voulons maintenir une civilisation sous contrôle, nous tournons toujours les choses à notre avantage et nous prenons bien soin de détenir et de contrôler tout moyen officiel de communication avec la race humaine. Nous sommes actuellement en guerre pour l'information, mais aussi en guerre de désinformation, car face à cette avancée de la conscience et de la vérité, tout sera fait pour perdre l'individu dans de nombreux pièges, de fausses informations, fausses prédictions, fausses accusations et fausses promesses. Afin de le maintenir dans cette vibration de soumission, d'impuissance et de déception dans lesquelles l'humanité a été plongée depuis tant d'années. Alors, quels sont ces symptômes que nous pouvons ressentir pendant cette phase où nous mutons physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement? Les 11 symptômes de l'ascension. Numéro 1. Le sentiment de vivre dans une réalité parallèle. Nous sommes toujours sur la même planète et sommes pourtant dans les mêmes endroits et parlons même peut-être aux mêmes personnes.
mais nous avons la sensation que la réalité est différente, que nous sommes à la fois acteurs de notre réalité, mais en même temps, en chaque instant, observateurs. Nous avons l'impression d'être dans une autre dimension et d'observer la réalité se dérouler sous nos yeux, comme si nous regardions un film. Nous pouvons même avoir parfois l'impression que personne dans ce film ne nous voit, lorsque nous marchons par exemple dans la rue, observant cette pièce de théâtre dans laquelle nous étions pourtant avant, mais de laquelle nous sommes sortis. Et si nous avions déjà ce sentiment depuis tout petit de ne pas appartenir à ce monde, ce sentiment est aujourd'hui décuplé. Nous avons la sensation de cohabiter avec une autre réalité, mais d'être totalement en dehors de cette réalité, faisant partie du paysage, mais n'y étant pas vraiment implanté. Nous sommes débranchés de la matrice, et nous sommes à présent des électrons libres. Ce sentiment peut être difficile à gérer au départ, et pouvant provoquer des phases de dépression et de sentiments de solitude. Mais plus nous continuerons à ancrer cette véritable fréquence, plus nous attirerons d'autres êtres alignés sur cette fréquence et ce sentiment de solitude diminuera au fur et à mesure de la création de notre nouvelle réalité basée sur notre fréquence qui ascensionne. Numéro 2, le sentiment d'avoir retrouvé sa vraie nature. Toute notre vie, nous avons essayé d'être quelqu'un que nous n'étions pas. Enfant, nous avons tout fait pour détruire cette innocence et cette pureté en nous qui était tant ridiculisée. Adultes, nous avons tout fait pour rentrer dans les cases que la société avait préparées pour nous, pensant que c'était le seul moyen de survivre dans une société où les électrons libres n'ont pas leur place et sont tant rejetés. Recherchant l'amour et l'acceptation, nous nous sommes mentis et trahis de nombreuses fois, en prétendant être quelqu'un que nous n'étions pas, en s'efforçant de cacher nos véritables valeurs dont nous avions souvent même honte. La justice, la bonté, la pureté, l'authenticité, la recherche de la beauté et de l'harmonie n'étant pas les comportements les plus populaires dans une société déconnectée de son âme. Nous avons tout fait pour les éteindre en nous, allant même peut-être jusqu'à les oublier nous-mêmes. Mais depuis notre réveil et notre réactivation et compréhension de ce qu'il se passe sur Terre, c'est comme si tout ce que nous avons tant refoulé depuis des dizaines et des dizaines d'années pouvait aujourd'hui enfin refaire surface, car nous nous donnons la permission d'être ce que nous sommes, sans honte ni sans excuse. Nous avons compris que l'acceptation de l'autre ne vaudra jamais l'alignement avec son âme. Numéro 3, la volonté d'être au service. L'être qui est sur le chemin de l'ascension ne peut plus être dans une conception purement égoïste de son existence. Le sens même de la vie est justement de pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit au bien-être des autres formes de vie. L'être qui ascensionne ne ressent plus aucun goût de vivre pour lui-même. Il n'est plus séduit par les différentes illusions qui sont présentées aux yeux des humains afin qu'ils n'entendent pas ce que leur âme leur murmure. Il a la volonté de quitter la terre en meilleur état qu'il ne l'a trouvée. Il a la volonté de s'utiliser comme un domino qui fera basculer la balance vers l'harmonie, la conscience et la vérité. Numéro 4, volonté d'accomplir sa mission. L'être qui ascensionne a conscience qu'il n'est pas sur Terre par hasard, et il a compris qu'il y a une raison derrière son incarnation, surtout en cette période. Il prend cela très au sérieux, même s'il a compris que le sérieux de sa mission ne devra jamais faire de lui un être avec une vibration lourde. Il apprendra, par son travail personnel, à faire la différence entre insouciance, immaturité et vibration légère, ainsi qu'entre responsabilité
et maturité et vibrations lourdes. L'être qui ascensionne met l'accomplissement de sa mission de vie en priorité. C'est sa raison de vivre, sa raison d'être. Et plus rien d'autre ne peut assouvir cette sensation intérieure d'urgence que l'accomplissement de l'appel de son âme. Il a appris à cultiver le courage, car dans un monde si inconscient, il a dû faire face au jugement, à la méchanceté et à l'humiliation. Mais pourtant, il est toujours là, et même roulé dans la boue, il se relève pour accomplir la tâche qu'il a décidé d'accomplir, avant même d'avoir expulsé son premier souffle sur cette planète. Et jusqu'à son dernier, il se battra pour la conscience et la vérité, ainsi que pour le droit de l'être humain d'être libre. Numéro 5. Besoin d'être aligné à son âme. L'être qui ascensionne ne supporte plus d'être désaligné de sa véritable fréquence. Par son travail personnel, il a appris à ressentir les différentes fréquences vibratoires qui le traversent et qui traversent les autres véhicules physiques. Il a appris à se détacher du regard des autres afin de plonger en lui-même et de ressentir au plus profond de lui lorsqu'il est aligné à son âme et à sa conscience supérieure. Il fait un travail permanent de discernement vibratoire pour apprendre à identifier lorsque ses pensées sont organiques, c'est-à-dire provenant de son âme, ou inorganique, c'est-à-dire provenant de programmation mentale ou du subconscient, provenant de possession d'entité, de contrôle mental, d'influence de la conscience collective ou des égrégores. Il recherche en permanence cet état d'équilibre en lui-même, ayant compris qu'il est responsable de sa vibration et des conséquences énergétiques de l'adoption d'une pensée sur lui-même et sur le reste du monde. Il a le courage de réorganiser sa vie extérieure pour qu'elle soit alignée à sa dimension intérieure. Il ne subit plus sa réalité, il la crée. Numéro 6. Identifier les comportements 3D et ne plus supporter d'opérer à partir du mental inférieur. L'être qui ascensionne a fait un travail d'extraction de la conscience collective, ce que l'on peut imager par se débrancher de la matrice. Comme nous l'avons vu plus haut, il devient alors acteur, mais également spectateur, du film de la réalité 3D qui continue d'être opéré sous ses yeux. Cependant, il ne souhaite plus participer au schéma destructeur et aux programmations 3D, la plus largement répandue et dévastatrice étant programmation victime-bourreau, qui ont rendu l'humanité là où elle en est. Sa conscience s'élargissant chaque jour un peu plus, il sent immédiatement lorsqu'il n'opère pas à partir de son âme, mais plutôt de son mental ego, et lorsque les autres autour de lui s'adressent à lui à partir du spectre limité de leur mental ego. La communication entre ces deux fréquences totalement opposées est alors extrêmement difficile, parfois même impossible, tant les deux individus ne peuvent s'aligner sur une même fréquence. D'ailleurs, c'est ce que l'on appelle à juste titre ne pas être sur la même longueur d'onde. Cette expression est en effet très révélatrice de ce qu'il se passe au niveau quantique. Plus notre fréquence est élevée, plus il est douloureux et lourd de conséquences énergétiques de se syntoniser sur une fréquence inférieure. Cela ne doit en aucun cas devenir une excuse pour nous sentir supérieurs, devenir hautains ou dans le dédain de ce que nous estimons de basse fréquence. Mais de l'autre côté, nous ne devons pas non plus accepter l'intrusion trop prolongée de fréquences toxiques pour nous, sans apprendre à mettre des limites saines à notre champ vital, ainsi qu'à en prendre soin. Numéro 7. Sentiment de responsabilité. L'être qui ascensionne véritablement se sent responsable de tout ce qu'il pense, dit ou fait. Il a quitté cet état d'immaturité spirituelle dans lequel la plupart des humains vivent,
ne se sentant absolument pas responsable des conséquences énergétiques de leurs pensées, paroles, actions ou inactions. Lorsqu'un individu se sent détaché des autres formes de vie, il n'a pas développé sa faculté d'empathie et ne ressent donc pas en lui les conséquences de ses choix. Pourtant, en chaque instant, chacun de nos choix impacte l'univers tout entier. Et c'est uniquement lorsque l'humanité aura saisi individuellement et collectivement l'importance de cette reconnexion à sa responsabilité énergétique, ainsi que du développement de son empathie, que nous pourrons réellement assister à un véritable changement de paradigme sur Terre. Seule l'ignorance peut permettre à l'apathie, la psychopathie, à l'abus, l'exploitation, l'asservissement, au mensonge et à la manipulation de perdurer. L'être qui ascensionne est conscient de l'urgence de la situation et de l'état de destruction dans lequel la planète se trouve. Il est connecté avec ses frères et sœurs humains et animaux, même à l'autre bout de la planète, même loin de ses yeux, et sans leur souffrance, même si lui peut jouir d'une vie libre. Son propre bien-être ne lui fait jamais oublier que quelque part, ce n'est pas le cas de quelqu'un. Numéro 8. Discipline spirituelle. L'être qui ascensionne ne considère pas la spiritualité comme un hobby. Il a compris que la spiritualité ne se pratique pas une fois par semaine entre deux cours de tennis, mais que c'est un état de conscience qui doit être permanent. Pour réussir à quitter la fréquence 3D et à réactiver par son travail personnel son ADN, cela implique une discipline que peu sont encore prêts à adopter. Beaucoup d'humains cherchent encore la facilité et les solutions extérieures pour atteindre l'image de la spiritualité qu'on leur a vendue. Le chemin de l'ascension doit être emprunté soi-même, et même si nous pouvons être guidés sur ce chemin, personne ne pourra faire le travail à notre place. Ainsi, l'être qui ascensionne ne se laisse pas séduire par les promesses d'hommes ou de machines prétendant leur apporter des résultats, sans qu'aucun travail personnel n'est à être accompli. À cette époque de profusion de techniques et de machines pour réactiver telle ou telle chose, l'être qui ascensionne sait discerner les fausses promesses des réelles guidances sincères. Il a confiance en son propre pouvoir créateur et a compris qu'il n'est pas seul dans cette phase et que le plus important pour lui est de développer sa propre connexion avec sa conscience supérieure et ses équipes de soutien sur les autres plans. Numéro 9. Maturité spirituelle. L'être qui ascensionne, par sa discipline et son sens de la responsabilité en tant qu'être vivant connecté au tout, développe petit à petit sa maturité spirituelle et se distingue ainsi de ceux qui, pensant pourtant être éveillés, n'ont pas encore cependant compris leur responsabilité énergétique. La plupart des personnes encore coincées dans ce que l'on appelle l'extase astrale, développées dans l'article et le podcast intitulé « Libération spirituelle » font beaucoup d'amalgames et confondent par exemple légèreté de vibration avec immaturité ou alors neutralité émotionnelle avec apathie ou inaction. L'être qui ascensionne a conscience de l'importance de ce qu'il se passe sur Terre et de son incarnation d'un point de vue individuel et collectif. Il a conscience des différentes forces qui peuplent notre univers et n'est pas ou plus dans le déni de ce qui est sombre ou négatif. Il a le courage de voir la vérité en face, toute la vérité, et non uniquement ce qui lui permet de rester dans sa zone de confort. Il accepte la difficulté. Il accepte les remises en question de ses croyances. Il est humble, ce qui ne veut pas dire qu'il se renie pour autant, et est conscient de l'exemple qu'il montre en chaque instant, à chaque humain qui croise son chemin. Numéro 10. Avoir dépassé l'extase astrale New Age. Ce point est probablement le plus important, car c'est malheureusement là que beaucoup de travailleurs de lumière sont encore piégés.
les forces ayant mis en place cette guerre contre la conscience ont installé des filets, des pièges, à de nombreux étages sur le chemin de la réelle libération. Le New Age est grandement infiltré par ces forces, qui y ont inséminé minutieusement de nombreuses distorsions afin de créer des voies illusoires d'ascension. L'être qui ascensionne doit être au courant de ces distorsions, de la réalité de la présence extraterrestre, de la manipulation et de l'invasion du plan astral, au même titre que du plan 3D, ainsi que de l'invasion des dimensions supérieures, jusqu'à la 11e dimension. L'être qui ascensionne est sorti des croyances New Age que la dualité n'existe plus à partir de la 5e dimension, et que tout est beau et rose dans l'invisible et après la mort. Et a justement compris qu'il faut commencer dès maintenant, dans le plan physique, à apprendre à discerner les différentes énergies afin d'être capable d'identifier les différentes forces peuplant les dimensions et se défendre des attaques psychiques, et afin de devenir spirituellement mature et de ne plus être dans le déni ou l'ignorance. L'être qui ascensionne met son discernement vibratoire en priorité sur sa liste de capacités à développer avant toute prouesse extérieure qui pourrait certes lui donner une image spirituelle. Numéro 11. Souveraineté. L'être qui ascensionne est redevenu souverain. Il ne souhaite plus donner son propre pouvoir à un gouvernement, un patron, une société, une organisation, un membre de sa famille, un conjoint, un dieu extérieur ou un gourou spirituel. Il a compris que tout être vivant est une extension de Dieu. Cependant, certains, de par leurs agissements, il y a des milliers, voire millions d'années, se sont déconnectés de Dieu, de leur âme, et ont dégénéré leur génétique, au point d'être dénués de toute empathie, et même de volonté de se réhabiliter, œuvrant pour la destruction, l'asservissement, le contrôle et l'antivie, via des technologies destructrices. L'être qui ascensionne, ayant fait de son discernement vibratoire sa priorité, ne se laisse plus contrôler par quiconque. Il a repris son propre pouvoir, créé sa vie et sa réalité, et choisi ses pensées, en toute conscience de leurs répercussions énergétiques sur sa vie et sur le reste du monde. Sa souveraineté retrouvée ne le place, cela dit pas pour autant, dans une position d'agressivité, d'orgueil, de pouvoir de l'ego, ou de sentiments de supériorité. Au contraire, il sait conserver sa simplicité, son authenticité et son humilité afin d'accepter, tout en restant souverain, la guidance qui pourra lui être apportée par ceux qui seront divinement placés sur son chemin pour l'aider à avancer. Souveraineté ne doit pas nécessairement rimer avec individualité. Nous pouvons être souverains tous ensemble, en nous tenant la main. Les symptômes de l'ascension sont nombreux, et cette liste n'est bien sûr qu'un début dans ce que nous allons expérimenter sur ce chemin. Un début qui est déjà considérable et qui demande beaucoup de courage, de travail et de discipline. Mais quelle plus belle raison de vivre puisse-t-il y avoir que celle de devenir la meilleure version de soi-même, que celle de devenir l'être divin que nous sommes, mais incarné dans cette dimension physique. C'est la véritable définition de l'ascension. Quand tout a été fait pour perdre l'humain dans la croyance religieuse ou spirituelle que la matière devait être dénigrée et que l'élévation spirituelle était la fuite de son incarnation physique, cela dans le but d'empêcher les humains de se libérer véritablement et pour leur faire quitter leur corps physique de manière prématurée sans avoir accompli leur mission. Aujourd'hui, il est temps que l'humain comprenne que c'est via son corps physique qu'il va se libérer et libérer l'humanité tout entière. Faire descendre le royaume de Dieu sur terre n'était pas qu'une simple métaphore. Que se passerait-il si chaque individu prenait conscience du pouvoir de son véhicule physique et de toutes ses capacités, une fois réactivé par son travail spirituel?
Si certains animaux ont la capacité de faire repousser un de leurs membres ou de changer de couleur, qu'en serait-il de l'être humain s'il réactivait 12 brins d'ADN, au lieu d'en utiliser que 2 ou 3 ? Ce monde pourrait-il fonctionner de la manière dont il fonctionne aujourd'hui ? Les individus le contrôlant pourraient-ils toujours le faire ? La réponse à ces questions, nombreux d'entre nous l'avons déjà. Et beaucoup d'entre nous sommes justement venus sur Terre pour montrer la voie, montrer l'exemple, par pur dévouement et souvent sacrifice, quittant des sphères où il était bien plus aisé de vivre. Mais comment pouvons-nous vivre en paix lorsque nous savons que quelque part, d'autres êtres souffrent, sont emprisonnés, martyrisés, massacrés ? L'indifférence n'est pas le propre de la création. Et lorsque la création est menacée, il en va de notre propre devoir que de se porter volontaire pour venir rétablir l'harmonie. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre implication dans ce processus de libération de l'humanité et de la planète Terre.